cette année. Floriane Auvergnate. Mayuka japonaise, Russell écossais et Lara et Claudia espagnole. Au revoir. Alors là, je fais un travelling panorama sur une troupe de 68 marcheurs retardataires, car nous sommes 4 en tête. Et tu t'y connais vraiment en vidéo, parce que sinon, c'est du travail tout ce que tu fais. Ah, puis voilà, on veut ça alors, les vieux de la vieille. Hello boy. How are you? How are you? Au revoir. Au revoir. Au revoir, eh oh. Ils me disent au revoir. Et le groupe de les missionnaires me disent au revoir. Il a été habité jusqu'à la Révolution. À la Révolution, il était pratiquement en ruine et c'est là que les pierres ont été prises pour la construction des maisons de Saint-Amand. Vous verrez à l'entrée de Saint-Amand un endroit, il y a une pierre, une porte d'entrée, vous ferez voir en arrivant. Donc tu disais il est du 13e. La forteresse, c'était du 13e siècle. Reconnu du 13e siècle. Et il y a une légende qui voulait dire qu'il y avait une ogresse au château qui récupérait les enfants et qui les mangeait, malheureusement. Et cette ogresse, un jour, il y a une dame qui l'a rencontrée, puis elle voyait une vache qui beuglait dans le pré. Et la dame lui a dit, ben, cette vache, on lui a enlevé son veau. Et l'ogresse, dans ses idées, lui a dit, mais moi j'ai fait quand même du mal. Toutes les mères qui ont perdu les enfants, elles devaient pleurer. Et donc oui. Elle s'est repentie, donc elle n'a plus mangé d'enfants. C'était mignon.